Maintenant, que vais-je faire? Que vais-je faire? Tout ce temps, que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent. Et maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière. Mais la terre, sans toi, c'est petit. Que avez-vous été bien accueillis dans notre commune? Superbement bien, un accueil chaleureux, familial, convivial, comme chaque année, tout le temps. Il n'y a rien à dire. D'accord. Comment avez-vous trouvé le public potéen? Simple, un bon public. À quel âge avez-vous commencé la musique? J'ai commencé réellement à faire des karaokés en fait à l'âge de 13 ans. D'accord. Donc,
vraiment les petits concerts, les petits karaokés en fait sur Alençon, parce que je jouais à l'Alençonnaise. Du coup j'ai commencé à 13 ans, j'ai 13 ans à faire des karaokés en fait. D'accord. Quelles sont vos influences artistiques? C'est-à-dire De quel chanteur, artiste vous inspirez-vous? D'accord. Notamment, donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai chanté déjà également ce soir, du Adele, Amy Winehouse. J'aime beaucoup Whitney Houston, qui est décédée, malheureusement. Et après, notamment la chanson française, donc la grande Madame Piaf, Edith Piaf. D'accord. Aussi. Et quel message essayez-vous de faire passer à travers vos chansons? De la bonne humeur, tout simplement. La bonne humeur, faire vivre, faire partager ma passion avec les gens, tout simplement. D'accord. Du plaisir, tout simplement. Et pourquoi la musique? Pourquoi la musique? Parce que c'est de famille, on a ça dans le sang, donc c'est une passion que j'adore, j'adore tout simplement, c'est une passion, donc voilà la musique, c'est la musique quoi. D'accord, ben, merci Charlotte. Non, y a pas de soucis.